Tchéguélé se présente comme un xylophone composé en moyenne de 11 à 21 planchettes d'inégale longueur, savamment taillées dans du bois et soigneusement rangées sur un support de forme trapézoïdale, également en bois ou en bambou. L'instrument a pour résonateur des calebasses, elles aussi d'inégale grandeur, proportionnellement aux planchettes de bois et méticuleusement rangées sous le support. Les calebasses sont perforées. Les orifices opérés sont ensuite galamment garnis de membranes blanches d'otèques d'araignées pour donner de la vibration au son. Les sons du balafon s'obtiennent en frappant les planchettes avec des baguettes de bois renflées aux extrémités par un gland de gomme de caveret ou de caoutchouc. Pour amplifier les vibrations des sons, le joueur de balafon porte souvent des sonnailles constituées de plaques métalliques sur lesquelles sont fixés de petits lobes de forme ovoïdale également en métal et munis de mini-anneaux en fer. L'appareil est fixé sur la main du joueur au moyen d'un coussinet garni de cordons ou d'un caoutchouc. L'envie de perfectionner davantage le balafon conduit de nos jours certains musiciens à le monter sur des supports semblables à ceux de ses pairs européens, l'orgue et le piano, pour en améliorer le confort et la convivialité de jeu. Cette manufacture de haute technicité fait du balafon un instrument mélodieux au son crépitant, fluide et gracieux. Un instrument de mélodie et une percussion, c'est-à-dire un instrument rythmique, parce que dans le rythme là, dans la mélodie, le rythme est dedans. Quand ça fait comme ça, vous voyez, quand je joue un morceau comme ça, le rythme est dedans. Dans l'ère culturelle du triangle, l'accord du balafon est réglé sur une division de l'octave en 5 intervalles, d'où l'adoption de l'appellation balafon pentatonique. Dans certaines aires, notamment chez les communautés mandingues, l'accord est plutôt heptatonique. Animant les fêtes de réjouissance populaire, rythmant les prières dans les paroisses et les bois sacrés, stimulant l'ardeur au travail, ponctuant la musique funéraire, le balafon est un instrument à la fois démiurge et démon. Un diable d'instrument aimé et redouté, relayant les mythes fondateurs et les orgies des communautés, dont il participe ainsi à la construction de l'identité culturelle. Au Mali, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, la musique est dominée par le balafon et le djembé, le second accompagnant plus souvent le premier, notamment dans les sphères sénoufo, bobo, samougo, zambla, toussian, chiemou, gouin, trouka, karaboro, bouaba, pougouli, lobi, dagara, birifor, koulango, djan, gana, Minyanka, Djonka et Bambara, repartis dans l'aire géographique allant de Koutiala au Mali à Kachola en Côte d'Ivoire et qui s'étend à l'ouest du Burkina Faso. Chez ces communautés, le balafon est en toutes circonstances l'instrument privilégié des artistes. La clémence de Dieu, rendre grâce aux divinités tutélaires, exprimer les états d'âme, animer les activités productives, accompagner les faits sociaux. L'usage détermine trois grandes fonctions sociales du balafon.
le balafon panégyrique, genre musical pratiqué lors des travaux champêtres et des cérémonies sociales pour la transmission et la cristallisation des valeurs morales et identitaires. Le balafon sacré, exécuté dans les bois sacrés et les sanctuaires à l'occasion des initiations, des rites et cérémonies d'imploration divine en vue de l'obtention de la pluie et de la fertilité des terres, le balafon de jeunesse, balafon de simple animation pratiqué par les jeunes lors des soirées récréatives. Le chant panégyrique est une glorification de l'individu qui, parce qu'il incarne les valeurs identitaires et cardinales d'un groupe social, en est un digne représentant. Le panégyriste appelle, évoque la personne concernée par son nom de rang dans le cycle des naissances de sa mère. Il arrose son élu de formules, images et idiomes laudatifs accompagnés de l'enseignement des normes sociales, l'énivre d'expressions poétiques envoûtantes. En cela, Mariam Bagayogo, Zégué Bamba et Lamissa Bangali sont des icônes. Thank you.
L'appartenance à la même aire culturelle et l'usage commun du balafon aux fins culturelles et sociales ont incité les responsables municipaux des villes de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, Korogo en République de Côte d'Ivoire et Sikasso au Mali à initier une rencontre tripartite du balafon dans le souci de favoriser l'intégration par cet héritage commun. L'initiative sera soutenue par les ministres en charge de la culture des trois pays et concrétisée sous le label Triangle du Balafon. La première édition de la rencontre a eu lieu du 11 au 14 juin 2004 à Sikasso. Ce festival était un beau projet. S'il n'avait pas eu lieu, il aurait fallu le créer parce que le balafon est l'instrument panafricain par excellence, puisqu'il n'y en a pas que dans notre sous-région ici. Il y en a également dans toute l'Afrique, dans les autres sous-régions d'Afrique, là, en Afrique centrale. Notamment l'Ouganda, les deux Congo, le Gabon, le Cameroun, le Tchad, l'Angola, il y a des balafons partout. La rencontre sera immortalisée par l'implantation à Sikasso, son siège, du monument Triangle du Balafon au carrefour des routes reliant la capitale de la 3e région administrative du Mali à Bobo-Dioulasso, au Burkina et à Korogo via Pogo en Côte d'Ivoire. L'œuvre, une sculpture du Burkinabé Kisiriki, symbolise l'intégration sous-régionale entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Balafon chante la paix, le dialogue intergénérationnel et la cohésion sociale, transmet à travers des compositions musicales appropriées les modes de vie, les systèmes de valeurs, les traditions, les croyances et les droits fondamentaux de l'être humain. Initié pour contribuer à l'intégration et la paix entre les populations du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali, célébrer un instrument fondamental chez leurs peuples respectifs, le festival Triangle du Balafon gagne d'ambiance festive d'édition en édition, témoignant de la vitalité de l'élément.